ne sentait pas qu'on galérait. On sentait rien que le plaisir d'être sur les routes, de visiter des villes, de rencontrer des gens. Comment ça fait plaisir quand les gens te disent, tiens, c'est super ce que vous faites. Rien que ça fait chaud au cœur. J'avais déjà entendu une des musiques, je crois que c'était Tomber la chemise. Tu es un peu dans un état d'esprit de quartier, c'est-à-dire que c'est les immeubles qui te barrent la vue. Il n'y a pas d'horizon avec les immeubles. Puis après, dès que tu sors du quartier, l'horizon s'élargit. Et avec la musique, c'est pareil. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle Un artiste à l'école, et on est venu faire une intervention dans notre ancien collège, le collège Toulouse-Lautrec, dans le quartier des Minimes, quartier Nord. Oui. Est-ce que vous trouvez que maintenant, le racisme, ça fait pas. Genre, il y a moins de racisme maintenant ou que comparé à votre époque? Déjà, on a le droit de rêver. Premièrement. Et puis après, tu peux démarrer d'un point A et aller au point Z en passant par toutes les lettres et en démarrant des projets, en allant sur d'autres, parce que ça évolue dans la vie. Et puis, croire en ses rêves et se dire, je peux faire les choses, même si je n'ai pas pensé. Leur dire qu'il n'y a pas de déterminisme, que ça, alors là, le déterminisme, tu as tout à fait raison, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu défoncer à coups de souliers, comme diraient nos amis du quartier. C'est-à-dire le déterminisme, c'est pas parce que tu grandis, que tu évolues dans tel univers, que tu dois absolument y rester et y faire ta vie. Tu peux aussi accéder à des choses qui te paraissent inaccessibles. Bon, il faut s'autoriser à rêver. Après, il faut aussi être dans l'idée que ben là, on est face à des jeunes collégiens et collégiennes. Donc, le moment n'est pas venu de se déterminer. Donc, on peut parler juste à bâton rompu de parcours de vie, les comparer, pour que peut-être éventuellement, ça puisse leur permettre à eux de réfléchir à ces énergies qui les amèneraient ailleurs que le déterminisme pourrait les cantonner. C'est hyper enrichissant et intéressant de rencontrer des gens comme ça. Ils sont ouverts à tous les types de questions différents. Ça peut être sur leur carrière, sur leur vie personnelle ou sur leur musique. Tu les connaissais avant ou pas? De mon père un peu, parce qu'il écoute plein de styles de musique différents. Il me semble qu'ils ont créé aussi un groupe qui s'appelle Les Motivés. Je voulais savoir leur vécu. Comment est-ce qu'ils avaient vécu le fait d'être connus? On ne devrait pas douter des capacités qu'on a, soit à cause du collège d'où on vient, ou soit de notre parcours, ou enfin quoi que ce soit. On veut faire quelque chose, on le fait, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient. C'est quoi votre artiste préféré actuellement dans la musique? Je trouve que c'est cool jusqu'où ils sont allés et les causes qu'ils défendent, le racisme. Ils donnent beaucoup d'argent aux associations. Ce sont un exemple à suivre? Oui, un exemple à suivre, oui. Ah, est-ce qu'à votre époque c'était plus difficile que nous maintenant? Est-ce que nous maintenant, sur le racisme par exemple, la musique, mais aussi les sujets de société? Ouais. Donc voilà, c'est une vraie. Là aujourd'hui, elle est. Une histoire de transmission bien claire, là, j'aime bien. Comment tu arrives à faire de la musique, comment tu as fait pour faire des chansons, comment tu vis la réussite, comment tu vis le contact avec les autres, est-ce que vous êtes déjà embrouillé, pour quelles raisons, en fait, ce sont des vraies questions de fond. On n'est que deuxième génération, nous c'est nos parents qui venaient du blé.